Yop, salut à tous, c'est Neski pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est nickel. Avant que cette vidéo commence, je voulais souhaiter à tous une bonne fête de Pâques. À tous ceux qui regardent cette vidéo. Et encore merci donc pour les 1600 abonnés. N'hésitez surtout pas encore une fois à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo si vous kiffez. C'est vrai qu'en ce moment, je fais que des présentations de mode, mais à l'avenir, je vais peut-être changer et amplifier les choses. Vous allez voir, je vous garde une petite surprise en tout cas. Donc voilà. Alors les deux modes du jour, ce sera ce petit plateau, là où on peut sangler des deux côtés. Donc comme vous pouvez le voir, on peut le sangler comme ça en long et on peut le sangler sous les côtés. Voilà, que j'ai trouvé génial, c'est une remorque à balles bien entendu. Et alors, cette petite benne qui m'a flashé aussi dessus. Donc à savoir qu'il y a plusieurs types. Je vais donc vous les montrer dans le magasin. Donc pour la remorque à balles, c'est dans les balles. C'est la logique des choses. Donc elle coûte 2000, c'est rien du tout. Et pour la benne, c'est dans les bennes, bien sûr. Il y a trois types de bennes alors, parce que on peut mettre beaucoup plus. Donc vous avez la benne pour 21 tonnes, une benne pour 24 tonnes et une benne pour 30 tonnes. Attention que celle de 30 tonnes, il y a que quelques cultures qui sont autorisées dedans. Notamment le fumier, le foin, pardon, excusez-moi, l'ensilage et tout. Tandis que les autres, vous pouvez le voir en bas de l'écran, hein. Les deux autres sont pour toutes les cultures. Donc moi j'ai pris la moyenne. Voilà, je vais un petit peu vous montrer aussi la remorque à balle. Allez, donc c'est parti. Donc ici la remorque à balle, plutôt bien, moi j'aime bien en tout cas. Pour les petites et moyennes fermes, elle est stylée. Donc on va faire un lever de benne. Voilà, donc c'est comme ça, comme vous pouvez voir, il y a donc un piston qui la lève avec donc ce bazar qui est plutôt bueno. Ouh, voilà. Donc vraiment pas mal, vous avez la porte à grains qui est juste ici. En tout cas, moi je kiffe. Donc voilà, on referme. J'aime bien le piston, il est stylé. En plus, elle lève bien haut. Ça, faudra faire attention, c'est si vos silos sont dans un garage, ça va être vraiment un petit peu gênant. Après, il y a la porte à grains, je ne sais pas comment ça se passe. Mais ça, c'est à vous de tester. Donc, ce qu'on va faire, on va faire que je vais faire un autre truc. What the fuck? Ah ouais, pas mal. Voilà. Voilà. C'est toujours... C'est moi les gars, vous pouvez pas me tester, vous savez bien. Voilà, donc... Donc cette remorque, c'est plutôt une bonne remorque, donc je pense que... Voilà, voilà, si vous voulez la mettre au sol, vous pouvez aussi. Bon, là c'est moi qui fais un peu le con, mais sinon les gars, voilà. Donc ici, vous avez donc le petit plateau à balles qui est plutôt bueno. Donc vous pouvez lever, descendre, voilà. Descendre comme ça, ça vous gêne pas pour déposer des balles dessus et remonter une fois pour les pour tracter quoi. C'est un petit plateau tranquillou, sympatoche. Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Donc voilà, voilà, c'était une vidéo assez courte avec les deux présentations de mode. Je pense que je l'ai répété assez de fois. J'espère que cette semaine il y aura des retours pour le live de farming, parce que nous en Belgique nous sommes déjà en vacances les potos. Donc voilà, en tout cas merci à tous d'avoir regardé, encore une bonne fête de Pâques à tous. N'hésitez surtout pas à partager, liker et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci à tous, ciao et bye bye les potes. Quand je dis pouce